nuestro hogar es un refugio donde nuestro corazón está seguro. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Nous avons continué avec une série de séminaires qui gagnait pour titre Espérance pour la famille. Et aujourd'hui, et le thème à aborder, c'est crise familiale. Et nous connaissons qu'au sein d'une famille, au sein du foyer, capable de gagner des crises qui affectent le foyer. Donc, je vais commencer par définir c'est quoi une crise. Donc, le mot crise veut dire moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité. Donc, dans le cadre de la famille, nous sommes capables de dire c'est des moments très difficiles dans la vie de la famille et dans le déroulement des activités au sein du foyer. Donc, crise, yo vin vraiment affecter déroulement normal, activité foyer. Donc, expert yo dans la psychologie familiale, donc yo dit que au sein du foyer, au sein d'une famille, capable de gagner conflit. Parce que le conflit n'est pas nécessairement négatif. Donc, c'est quoi le conflit? Donc, le conflit, c'est opposition d'éléments, de points d'intérêt, de sentiments contraires. Moi, je vais attirer l'attention sur opposition du point d'intérêt, le mot intérêt. Parce que y a un conflit dans le foyer a montré que le couple a gagné intérêt pour la bonne marche du foyer. Par exemple, si petit ou absorti, il dit la rentrée à 1h du matin, papa d'accord, et puis maman dit non, c'est pas possible, 1h du matin, il doit entrer à 10h. Et puis parents eux a discuté. Ils ont un intérêt commun qui c'est timoun. Donc conflit ça, il n'est pas nécessairement négatif. Parce que son point d'intérêt pour maman et pour papa. Mais cependant, ce conflit-là est capable de venir une crise. Donc c'est ça qui fait que le conflit n'est pas nécessairement négatif, mais si n'est pas bien géré, il est transformé en crise. Et donc c'est ça qui fait qu'on a parlé de crise familiale. Donc parlons maintenant de comment que le couple est capable de confronter le conflit dans le mariage. Gagner trois étapes dans le mariage. Première étape là, c'est étape attraction. Et il dit que étape ça a duré d'un an à trois ans. C'est-à-dire que étape ça c'est lune de miel, c'est pas vrai? Donc manger à mettre pas goût, ou dit chérie, manger à goût en pile oui. Hein? Et ou te nan époque sa yo ou pote ti fle pou madame ou pou mari ou et nan époque sa yo le madame a monte machine nan c'est ou couvri porte la pour l'entrée. Donc c'est moment attraction, donc c'est lune de miel. Étape sa yo li kon dure 1 à 3 ans, mais cependant jodi an gagnen nan foyer côté que li dure moins. Deuxième étape dans le mariage, c'est l'étape répulsion. Donc, répulsion, donc c'est le contraire d'attraction. Mais qu'on y a, donc répulsion, c'est le contraire. Donc, dans l'étape ça, il y a commencé à répulser l'autre. Et donc, dans l'étape ça, c'est là ça nous commence à découvrir vraiment défaut l'un l'autre. Vous parlez dans des petits mots, si vous êtes consorté, vous êtes marié avec vous. Et moi, je regrette que vous êtes marié. Et faut nous faire attention parce que dans l'étape ça ou quand même faire appel avec monde côté mais n'était gain tel monde pour me marier. Donc faut nous faire un peu attention avec ça yo dans l'étape répulsion. Il commençait de 3 à 8 ans dans mariage. Donc c'est ça expérience yo même dit. Et troisième étape dans mariage hein, c'est étape de la maturité. Étape ça expérience dit de 20 à 30 ans, c'est de mariage, donc son étape de maturité, côté qu'on est,
attention pas vraiment sous intérêt madame ou intérêt mari, donc vinn gen l'autre intérêt pour lesquels famille li doit lutter. Donc on pas connaît dans quelle étape que vous êtes dans moment ça, mais c'est comme ça et étape vous êtes dans mariage. On nous parler de symptômes de yon mariage qui détériorait. Qui là ou capable comprendre que mariage ou li détériorait. Donc premièrement, a gagné des sentiments que yon pas respecter l'autre encore. C'est-à-dire côté madame pas peur pour dire mari n'importe qui bagaille, mari pas peur pour dire madame n'importe sottise, n'importe bêtise, n'importe mauvais mot qui ca blesser. Donc le ça vinn pagé respect mutuel encore. Là, c'est un signe que foyer a détérioré. Deuxième symptôme, c'est que couple baille attention à tout ça qui dérangeait. Donc si pas de dentifrice là et t'es dans une place ça, li pas là, ça seulement déclencher yon champ de bataille dans foyer. Donc n'importe si bagaille gen bataille qu'a fait au niveau de foyer. Là, son signe encore qui dit foyer a un gros problème. Troisième symptôme, c'est que yon nan koupyo a ridiculisé l'autre là devant tout le monde. Par exemple, devant tout le monde, Marie a dit un bagaille pour faire madame li honte. Koupi madame nan zo bagay sou mari pou fè lwont. Et puis lè rive la kay, bataille mit pye, n'est-ce pas vrai? Sa yo se signal que foye ou li pa gen conflit, mais li yon crise. Donc j'en te dit à l'heure, si conflit yo pa bien géré, y a toune crise. Et si crise yo pa bien géré, pa gen l'autre bagay, c'est la séparation ou le divorce qui pral met pye. Donc, faites attention, le yon a ridiculisé l'autre devant toute société. Et quatrième symptôme, c'est que yon nan moun yo, nan couple lan, li a raconté problème ni avec yon l'autre moun, mais qui se sexe opposé. C'est-à-dire, si c'est Maria, li cherche yon fille pour la raconter problème ni. Ou bien si c'est madame nan, li cherche yon garçon pour la raconter problème ni. Écoutez, chers frères et sœurs, chers amis, expert yo dit que nan ka sa yo, li possible pour gen infidélité. Et à 80%, moun avec la personne avec laquelle infidélité va le faire, là, c'est même moun sa, ou te kon a raconté problème fwa yo. Parce que gen moun kap, gen fi kap raconte on zan min nan travail li, li gen combien de temps mari li pa touche l. La raconte intimité sexuelle li avec un autre garçon. Et puis l'autre garçon li même kap di bon mari ou pa son monde qui pa vraiment comprendre pour gon belle fille nan comme ça mon en forme comme ça et puis pour kito comme ça. Donc et puis il commence à jouer dans oreille et puis voilà que problème. Donc crise ça pas bien géré, hein, li pral mener dans une situation qui va être difficile pour famille. Donc faites attention avec quatre symptômes ça yo. Respect, pas de respect encore, nous bataille pour n'importe si bagaille, problème fait pour n'importe si bagaille. Nous yon ridiculiser l'autre devant société janouvelé et finalement nous raconter problème nous avec un monde qui sont en sexe opposé. Mais cependant, quel est l'idéal de Dieu pour le mariage? Quand nous lisons Matthieu 16, le verset, Matthieu 19, le verset 6, et la Bible nous dit que ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a joint. Donc, c'est-à-dire que l'idéal de Dieu, c'est que le mariage est pour toute la vie. Cependant, pour que le mariage soit capable d'être pour toute la vie, donc, couple nous fait des efforts, il faut que nous apprenions, nous comprenions comment la vie conjugale elle-même fonctionne. Parce que dans l'école, il n'y a pas d'enseigner nous comment pour nous ton bon mari, pour nous ton bon madame. Donc nous venons apprendre ça dans la vie. Et des fois, nous apporter
héritage parents nous gens parents nous qu'on traiter notre gain famille parle c'est héritage ça nous qu'on porter donc ça il faut nous éduquer tête nous donc le mariage c'est pour toute la vie donc Malachie 2 le verset 15 nous dit prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Donc, ouais, la Bible parlait de infidélité, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Si Christ n'est pas bien géré, ou pas tomber dans une situation de infidélité, séparation ou le divorce. Et ce n'est pas là l'idéal de Dieu pour nous, chers frères et sœurs, chers amis. Alors, nous avons continué, n'est-ce pas vrai, avec ce jeune. Dans la culture, pas nous, dans notre culture, nous gagnons culture surtout machiste. Yo mettez rôle garçon et rôle fille. Par exemple, garçon, yo dit garçon li actif et li fort. Dans culture pas nous, et fille li même li passive et li faible. C'est comme ça yo fille. Garçon li indépendant, fille li même li dépendant. C'est ça fois garçon, la sorti, la côté le vle. Ma li bagay explication pou blan madame mais le madame a sorti faut dans tout détail et c'est ça qu'on fait gagner crise dans foyer garçon li peu émotif et dur toujours temps de dire au garçon pas qu'on crier et pourtant dou fi a li même li émotive li facile pour convaincre donc c'est comme ça yo vend nous dans culture pa nous fi et garçon. Yo dit garçon par exemple, il brusque et grossier. Et pourtant fille elle est courtoise et éduquée. Yo dit garçon, il est intellectuel et froid. Fille lui-même, il est affective et sentimentale. Ça faut qu'on voit au niveau de froid et tout. Donc c'est garçon qui connaît, c'est lui qui apprend, c'est lui qui est intellectuel, fille lui-même c'est juste fille sentimentale. Depuis balti comme kob la ka la ou bal si manjel donc li même li pa gagne capacité pour la prendre et ça fait gen foyer côté madame depuis le fil marié la ville fini li pa ka étudier li pa ka faire aucun effort encore parce que c'est comme ça vend nous fille donc yo dit garçon dans continuant garçon est pour le travail et la femme li là pour rentrer dans caille c'est ça que fait jodi en tout pral wè qu'un problème le fille a commencé à travailler tout, li vient sentir libéré et puis problème. Il pas t'a comme ça. C'est pas vrai que garçon il là pour le travail, fille a pour être chita la caille. C'est pas comme ça y est. Donc yo dit encore garçon c'est lui qui portait l'argent et lui qui manœuvrait l'argent. Fille a lui-même travaille, c'est prendre ce timoun yo et dépenser comme c'est ce qu'on s'avance nous ça. Donc yo dit nous tout garçon c'est lui qui prend des dernières décisions. Fille elle est là pour obéir à Maril. Est-ce que c'est qu'on s'allie? Non, c'est pas vrai. Si ou même en tant que garçon décision pour le prendre lui pas bon pour famille là, c'est pas bonne décision si c'est madame qui prend décision, c'est dernière décision ça qui a passé. Qui t'en profiter pour me dire gen pile garçon surtout chrétien yo parce que gen pile abus violence gen violence psychologique gen psychologique gen violence sexuelle gen violence physique et gen violence spirituelle écoutez bien violence spirituelle ça c'est les religieux qui pratiquent c'est-à-dire garçon dit c'est lui pour prendre une décision même la décision pas bon. Il râle la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Ça c'est une violence spirituelle, c'est pas ça la Bible dit. Des fois nous râler la Bible pour justifier le machisme qui gagne en nous. Donc c'est ça qu'on a bail problème dans foyer. Donc il dit tout garçon, il est sûr, il est confiant et fille à lui-même, ils sont monde qui pas gain sécurité. Donc garçon c'est toujours sûr, fille non. Donc il dit que garçon il c'est il dominer, c'est les têtes, fille lui-même il doit soumettre lui, c'est les pieds. C'est pas vrai.
Parce que fille papier, le bon Dieu t'a créé la femme, il te prend dans la côte Adam. Il pas prendre ni dans pied pour Adam pas piétiner, ni dans tête Adam pour Eve pas dominer Adam, mais il prend sous côté la fait que Adam te, Eve t'est capable égal à Adam. Mais dans culture pas nous yo dit garçon c'est lick tête, fille a même ses pieds. Et des fois nous utiliser violence spirituelle pour nous capable faire ça au passé. Donc c'est comme ça yo défini et rôle garçon et fille dans culture pas nous. Et c'est façon ça yo qui prend mettre en pile crise en dans foyer parce que nous mal comprendre rôle garçon et rôle fille. Donc c'est ça qui fait nous besoin éduquer tête nous sur ça. Donc en pile foyer qui a crasé tout simplement parce que garçon c'est lick tête pardon fille c'est lick pied. Donc fille a pas gagné droit de décision, li pas ka participer dans décision famille et puis mes problèmes. Gè conflit, conflit tourne crise et crise capable tourner séparation et le divorce qui pas la volonté de Dieu. Donc dans couple comment rôle yo yé? Rôle fille à garçon. Dans culture nous, yo dit que garçon li supérieur, fille li inférieur. Mais dans couple nous égal. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans culture nous, yo dit nous garçon li autoritaire, fille soumise. Dans couple en tant que chrétien, doit gagner respect mutuel. Youn respecte l'autre. Dans la culture, par nous, il y a des garçons rationnels, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas avec raison, et puis il y a même juste sentimental, c'est le sentiment qui travaille. Mais ce n'est pas vrai. Non, en tant que chrétien, nous devons avoir des raisons, nous devons prendre des raisonnements, prendre des décisions avec consentement tous les deux mounio. Dans la culture, par nous, il y a des garçons agressifs, il y a même les passifs. Ils ne pas être comme ça. Dans la culture, par nous, dit garçon, les mêmes sexuellement, les contrôlables. Le besoin, madame, il faut le joindre. Et pourtant, je dis pas nous, je dis dans la culture, par nous, fille, les mêmes sexuellement, sont monde qui réprimé sous lit. Et pourtant, dans le couple, tu as une relation sexuelle avec consentement mutuel, tous les deux mounio. Ça fait grand pile violence sexuelle dans le foyer, madame, cap, mari, il a violé dans le propre cas. Et puis finalement, dans la culture, par nous, les garçons, les mêmes, c'est sexe performance. C'est-à-dire, il fait sexe pour exhiber tête, pour montrer que le garçon. Et puis, il dit, fille, les mêmes, lit au service de l'homme dans la question sexe. C'est-à-dire, fille, son jouet sexuel que lié, garçon, les mêmes, l'élevé pour le faire sexe. Pourtant, dans le couple, t'as dû gagner satisfaction mutuelle dans la question sexuelle. Gan pile fois il cap craser pour ça parce que les garçons fin satisfait pas besoin qui j'en fiaille garçon maltraité madame nan la femme violence psychologique physique spirituelle et puis li besoin fait intimité sexuelle madame pas conforme émotionnellement pas bien et ça fait gen fille cap dit mari a violé tout le temps. Donc pour nous capables continuer avec le sujet ça, nous dit que le conflit n'est pas bien géré, il y a une crise. Et la crise n'est pas bien gérée, il y a ben nos problèmes avec sacré l'infidélité. Donc c'est très important, chers frères et sœurs. Et moi, je vais rapidement raconter que l'infidélité avec une fille et un garçon, chaque jour, il y a augmenté. C'est ça qui fait que nous dit que la famille est sous attaque ennemie. Par exemple, dans les années 60, on a parlé, 50% des garçons étaient infidèles. Et 26% des filles étaient dit qu'ils étaient infidèles, dans les années 60. Après, 30 ans après, attendez bien, 73% des filles sont infidèles dans le mariage. 30 ans après, 73%, c'est-à-dire le taux d'infidélité l'a monté. Par exemple, statistiques dans le monde qui est marié, fik marié, n'est-ce pas vrai, dans l'année 60, yo, donc il dit que 27% là-dedans, yo étaient infidèles
avec Marie. Garçon yo même 58% yo infidèle. Donc en pile infidélité. Et Satan travaille pour ça parce que gon découverte qui fait, yo dit que gon gen, par contre qui dit ça dans corps garçon hein, qui excité pour l'infidèle. Satan qui travaille comme ça, oui. Donc ça veut dire justifier infidélité. Donc chaque jour l'infidélité a augmenté, chers frères et sœurs. On nous garder rapidement et qui cause qui compte faire que fille yo infidèle dans mariage. Parce que généralement c'est garçon qui toujours plus infidèle. Mais cependant taux infidélité dans fille a augmenté. Donc qui raison, qui cause qui compte faire ça? Premièrement, c'est désir de vengeance. C'est-à-dire que madame a vengé Marie. Or, s'il fait ça sous moi, donc m'a fait le senti, ça le fait. Et des fois, chers frères et sœurs, des filles, après une infidélité, qu'on veut tuer tête li. Parce que à moun l'a fait ça, l'elle vient dans bon sens li, il pas ta jamais pensé son monde comme ça, il est infidèle. Mais des fois, avec désir pour venger sa mari a fait, madame nan a commis infidélité. Deuxième cause qui fait madame nan ka commet infidélité, c'est besoin de vrai amour. C'est-à-dire que ça pas joindre la caille là, li joindre un vagabond dehors ou un vagabond dehors et qu'a jouer dans tête li. Et qui montre que le remène, qui fait le sentir fille, mais c'est pas vrai, et puis il y a un problème. Troisième cause qui fait fille qu'on est fidèle, c'est qu'il a besoin d'expérience sexuelle qui plus émotionnante. Ça fait l'organe, un petit problème sexuel dans la famille, chita, parler. Et si vous même besoin d'un docteur, allez dans le docteur. Donc, il y a des fois des filles qui sont infidèles pour justement avoir besoin d'expérience sexuelle beaucoup plus émotionnante, plus agréable. Et ça fait des garçons seulement le besoin de monter sous fille et puis après le quitter. Il faut nous faire attention à ça. L'autre raison qui fait une fille capable infidèle, c'est manque de compréhension et manque de respect mari a gain pour lui. Donc l'autre raison tout, c'est réaction fille devant infidélité Maria. Donc les réactionner même genre. L'autre raison tout, c'est manque de dialogue qui pas gagner dans foyer. Je dis à télévision, téléphone, internet, feuilleton film pour tout le temps. Donc pas gagner temps pour un dialogue qui fait. Et finalement, l'autre raison qui compte faire fille infidélité, c'est manque de valeur morale. Ça veut dire que si mon nan, avant que te marié, il te connait plusieurs partenaires sexuels. Donc on a l'œil vin marié, donc il est pas capable de satisfaire avec un partenaire sexuel, donc il est obligé et à chercher l'autre expérience. Et finalement, critique situation financière. Problème financier qu'on menait fille fait infidélité. Donc c'est toute raison ça yo qui cause que fille li même tout li infidèle. Mais cependant expérience yo mette un groupe de trois causes principales d'infidélité. Premièrement, yo dit c'est solitude. C'est-à-dire que madame nan li éloigné de la vie familiale, li pas participer dans décision yo mari a c'est li qu'on penser c'est li café. Donc madame lui-même est justement en bas pied mariée. Donc mon nan il sentit marié et pourtant il sentit seul. C'est une gros cause. Et deuxièmement, la monotonie. La routine qui compte caractériser relation mariage après certain temps que vous finissez marié. Mariage tombe dans routine, pas rien de nouveau. Ça mais c'est pas vrai. Faut éviter routine. Et finalement troisième gros raison, c'est manque de dialogue. Manque de dialogue entre mari et madame. C'est ça, il y a un gros psychologue, Daniel Dolech, il dit c'est trois gros raisons qui ont fait cause d'infidélité. Solitude, monotonie, manque de dialogue. Faut que nous
faut que nous protégions ça. Et finalement, chers amis, si vous êtes en crise et vous pensez, peut-être que vous ne parlez pas la veille, ou un monde qui a joué dans les oreilles ou a raconté le problème foyer et ou sur le point pour engager ou pour entrer dans compromis avec nous ça font-y penser parce que et infidélité c'est très destructif pour famille pour timonio et penser avec une séparation et puis penser tout il y a un pire problème infidélité un problème de conscience que on va souffrir pour tout le reste de la vie. Et mettez en place, madame, si c'est lui qui t'a parlé d'infidèle sous, si c'est vous, madame, qui t'a une intention, mettez en place mari ou s'il t'a fait ça sous. Mais qui ça la Bible dit dans Proverbe 6, le verset 32, sous question infidélité, ça, ou bien adultère, là, le crise n'a pas bien géré. Proverbe 6, verset 32 nous dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme, est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Moun qui commet adultère là, li pa gen sens. Alors espagnol là gon Jean li metel. Espagnol là gon Jean que le metel. Espagnol a dit que honte moun sa commet infidélité là, li pa jamais effacer. Ça ne veut pas dire que madame n'a pas pardonné, non? Ni mari n'a pas pardonné madame, non? Parce que la Bible parle de pardon. Oui, il est capable de pardonner l'autre. Mais, au propre, ça, il n'est pas effacé jamais. Parce que le pape jamais effacé dans la tête madame. Ou bien madame, il n'est pas jamais effacé dans la tête mari. Et ça fait la Bible dit, faites attention si toutefois, ou t'as une situation de crise et ou sens tout prêt. Pour ou aller et commettre une stupidité. Fais un peu attention avec ça. Et si toutefois, je parle avec un monde que, par avec situation de la vie, il était déjà trahi Marie ou Madame ni. La Bible lui-même lui dit monde qui cachait transgression, yo pas prospérer. Mais monde qui avoué et yo éloigné de ça, il a besoin de miséricorde. Ou cap, un mari capable de faire infidélité sur madame ni. Mais s'il repentit tout bon, et pas seulement dans la bouche, mais ou est dans la ville, là, ak li ou elle repentit, faut qu'on pardonne. Si, goun moun comme ça, froid elle passe par situation ça, ça pas veut dire pour froid elle écraser pour ça. Et si ou senti, ou sous route, dans le moment ma parle à, ou ap trahi madame ou ap trahi mari ou, reconnaître son faute que lié. Réviser attitude ou reconnaître situation. Et s'il possible, chercher aide professionnelle ou bien chercher aide spirituelle. Parce que si vous ne faites pas, Satan a avili ou l'a dévoilé ou et le sa situation plus difficile. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous te dit crise familiale. Si vraiment nous pas gérer crise ça yo, y a mené nous tout droit dans infidélité qui a mené séparation et divorce. Car Dieu nous dit que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a joint. Il dit ne soyez pas infidèle avec la femme de votre jeunesse ou bien avec l'homme de votre jeunesse, pas infidèle avec lui. Si vous passez une situation difficile, si vous sentez que vous entrez en crise, bam, Dieu, solution, premièrement, c'est retourner à jouer le bon Dieu. Car, Proverbe 27, les dit nous, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Comment foyer vous yé? Pas quitter Satan, détruire foyer. Cherchez aide professionnelle. Cherchez aide spirituelle, comme ça, froyez-vous, va yon bénédiction pour nous, premièrement, en tant que couple, et pour Timounio, et pour l'Église. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu est capable de protéger froyez-vous
contre toute attaque ennemie, contre toute crise qui voulait détruire la famille. Bon Dieu, bénis-nous, n'attendons dans l'autre moment, prions le Seigneur, éternel, notre Dieu, notre Père. Nous disons merci parce que parole ou claire, ou pas le divorce, ou pas la séparation. Mais cependant, Satan, pour le arriver dans le divorce, il prend un conflit qui est normal, il a converti en crise, et crise qui a débouché sur la séparation et divorce. Nous demandons au Seigneur, aider chaque famille qui a attendu, chaque famille qui a passé dans une situation difficile, nous demandons au Seigneur, si une famille qui était déjà passée par l'infidélité, par l'adultère, fortifiez au Seigneur, aidez-vous pour que vous soyez capable de redresser et de continuer à avancer. Et si vous avez un moment ça dans la tête, il est sur route pour trahir Marie ou madame, ou bien la fait ça, aidez le Seigneur pour être capable de redresser le pas.